C'est la rose. Juste deux petits mots. D'abord, merci de votre présence à tous. Pourquoi ce lieu ? Sûrement parce que on a envisagé avec la mairie d'y faire quelques travaux. On a envie de le rendre un peu plus convivial que ce qu'il est. Donc on y a mis des tables, on va y mettre des toits, on a mis des transats, on va refaire la fontaine. Et vraisemblablement, et là encore, non mais Jeanne elle ne peut pas. Vraisemblablement, si vous avez des idées sur le sujet, surtout n'hésitez pas, nous-mêmes nous sommes demandeurs. Ça sera sûrement le départ dès l'année prochaine d'un parcours santé. Et on a envie, sans doute, on va pourvoir un éclairage un peu sympathique pour que ce soit un lieu un peu plus utilisé. Donc c'est pour ça qu'on vous convie ici ce soir. Je serai très brève. Merci Franck, les mystères de Colmar, ça a été le clap de fin hier soir de cette saison d'été. Une saison qui a été, je crois, assez riche tant sur le plan sportif que culturel. Et grâce à vous tous, forcément. Alors quand je dis vous tous, c'est aussi bien toutes les associations, tous les bénévoles qui sont là pour Colmar. Je ne perds pas de vue. Mais aussi les services techniques. Merci à eux vraiment parce qu'on les a mis à rude épreuve pendant l'été. Je pense aussi aux secours, je pense aussi donc à Jean-Noël. Merci Laurent, vous êtes là, toujours en soutien, merci. La gendarmerie est excusée, mais elle aussi, c'est voilà, la chaîne c'est ça, c'est chaque maillon qui compte. Donc merci à tous pour tout ce que vous faites pour Colmar. Et j'ai envie de dire que cette soirée elle est uniquement sur une bannière, c'est un mot, cinq lettres. Pour Colmar, merci à tous. Voilà.